Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on a une nouvelle idée, ça va être incroyable. Likez la vidéo, abonnez-vous, nouvelle voiture, la team elle est là. Aujourd'hui, on fait un event. Regardez toute la vidéo, vous allez adorer. Je ne dis rien. Bonjour Nico, bonjour Anna. Ah, bonjour. Bien le bonsoir. Bienvenue. C'est mignon. Bienvenue. Bah oui, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. On est pas ensemble. Hein. Par contre... Bah, il y a intérêt, ouais, parce que Nico c'est mon mec, d'accord? Voilà. Bah vas-y. Ouais, donc... En fait, sur les deux tableaux, hein. Ah ouais. Voilà. Pas, mais bon. Ah ouais. Ok, ouais, c'est bien ce que je me disais. Je te laisse. À qui est cette Lamborghini outrageante, là, verte, noire? Potentiellement à moi. Ah, d'accord. Bon, parfait, non, parce qu'en fait, j'ai qu'une place dans ma Ferrari. J'ai pensé... Tu sais, problème de riche, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais ouais, d'accord. Problème de riche, c'est pas moi qui conduis, par contre. Nico, tu conduis la Lambo? Ouais, t'inquiète. Ok, bah de toute façon, t'as au moins deux places, donc on est bon. Bon. Alors, attendez. Non. Ah. Ah. Attendez. Faut pas qu'on perde de temps parce que sinon, dans deux ans, on ouais, est encore. Ouais, vas-y, ouais. Alors, du coup, Nico, on reste sur ton idée, d'accord? Ouais, vas-y. Ton idée secrète qui était. J'ai préparé ma petite feuille et tout, moi. Ah, et mec, tu régales. Tu sais que moi aussi, mais... j'ai pas besoin de temps de là. Mais écoute. Eh. Hey. Oh, incroyable. Eh, hey, tu sais quoi? Ça sera notre signe de gang. Ouais, voilà. La masturbation de... J'ai mon petit tableau, là, on est prêt. Non, mais est-ce que tu as un crayon, un chrono? Est-ce qu'on a tout? Oui. Le mec. Le téléphone est à côté. Et, écoute. Non, mais... Je veux dire... Ça fait pas de bruit, Tu sais, Arma for Life, on pourrait vendre des trucs sur Amazon en mode... aide au RP, achète ta feuille de crayon Ras Super, ton stylo Arma for Life, ton chrono Arma for Life, on pourrait... C'est vrai. Je peux faire un petit pack. Un pack RP. Un pack roleplay avec une Clarma 3, évidemment une whitelist accélérée. Voilà, je c'est normal. Une photo de moi à l'intérieur. De tes pieds. Avec un mapping d'Anna. Voilà, avec un concours pour gagner une maison qu'Anna map. Ouais. Moi je note l'idée, Il y a peut-être moyen de devenir riche en vrai, j'avoue. Il y a un truc à faire. Il y a quelque chose. On partage. Hein. Normal, non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal, monsieur. C'est bien normal. C'est bien normal. Ça. Bah c'est normal. Parce que je te connais, hein. Ah, ok. Ça commence. Ouais, on est peut-être pas... Après, on est peut-être pas obligé de la garder pour cet event incroyable qu'on est prêt à organiser. Tu vois. C'est vrai. Dommage, je voulais faire gagner la Lambo, j'en voulais pas. C'est vrai. Je rigole, non, je rigole, elle est pas assurée, en plus, il faut l'assurer. Que... 10 et 10. Ouais, j'avoue, un kiff RP débutant, ça fait trop drôle. Enfin me bon, visage alors, j'ai déjà réfléchi à des petites choses. Du coup, vous deux... Vous allez aller réserver, tu sais quoi. Pour le moment, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on sait jamais. Ouais. Si dans 3 minutes, comme par hasard, on est plusieurs à avoir la même idée. Ouais, j'avoue. Hein, c'est un peu chiant. Tu vois ce que je veux dire. Donc, vous deux. Ouais, vous deux, vous allez là-bas. On part sur combien de véhicules dont on ne dit pas le nom? Justement, c'est ce que je me demandais. Combien de véhicules quoi? Et on ne dit pas le nom du véhicule. On ne dit pas le nom du véhicule. Et combien de véhicules? Et ben, moi, je dirais. Moi, j'ai pensé à un truc, c'est au lieu d'en mettre 10 d'un coup, on les fait passer un par un et on fait un truc propre, on fait go. Bah, c'est mieux, hein. Ouais. Ça évitera... Donc, du coup, on peut genre sur 4 véhicules, max 4 véhicules, ça peut aller. Vas-y. Parce que moi, je peux m'arranger pour aller chercher un camion, ou voir avec un concess qui me livre, et puis on est bon, tu vois. Ouais, c'est cool, on peut... Après, on prévient les DP quand même, au cas où. Ouais, enfin... Ça, c'est une fois qu'on a les véhicules secrets dont il faut pas dire le nom. Ok. Vas-y. Donc j'en prends 4. Ouais. Vous allez là-bas. Tu peux essayer avec la DIR. Pourquoi pas pour avoir quelques plots, etc. Bah, parce que si. En fait, on est sur un event, mais on est d'abord sur un truc privé. Tu vois ce que je veux dire? À moins que tu veux avoir 50 personnes qui débarquent et que ça soit insupportablement à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Avec une petite allée, un ordre de passage. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais pensé, est-ce qu'on fait gagner une voiture? Si vous voulez, perso, actuellement, moi, j'ai pas les moyens. Je me doute bien que ça va encore être au même de se saigner. Ça va encore être au même de dépenser de l'argent, comme d'habitude. J'avoue. Non, y a pas celle-là, elle est pas assurée, ça serait dommage de... Ouais, c'est vrai, bah tu peux aller l'assurer, on l'a fait gagner, votons. Après, la bleue est pas mal aussi, je trouve. C'est vrai ? La bleue est pas mal, c'est vrai. Et est-ce que tu as une anecdote sur la bleue ? Allez, un petit coup de couteau gratuit sur des gens. Vas-y, viens voir. Vite fait. Et on passe à la suite. C'est rapide, rassurez-vous. Bon, tu vois la voiture devant, il n'y a pas de plaque. Ouais. Donc c'est une La Ferrari, pour ceux qui connaissent pas, Bleu Tour de France. Tu te dis, la plaque est derrière. Bah oui. Oui.
Sauf que tu as peut-être dû voir, il y a eu une mise à jour, comme par hasard, 10 minutes ouais. avant. Oui, ouais. viens voir derrière. Quelque chose qui n'y était pas est arrivé. Indice, ça commence par F, ça termine par U. Alors, à ton avis. Ça commence par plaque, F quoi. Oui, bah, la plaque, ouais, il n'y avait pas de plaque. Il y avait zéro plaque sur la bagnole. Ah, t'avais... Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas t'avais. Moi, j'ai pas testé cette voiture. C'est quelqu'un dont t'auras le nom, tu vois ce que je veux dire ? Ok, d'accord. Qui a fait okay. cette voiture dont t'auras le nom, hein ? On n'affiche ouais. personne. Vaut mieux. Il a réussi à faire une voiture sans une seule plaque d'immatriculation. Après, évidemment, on se moque pas. Voilà, on ne dit pas les noms sur les ondes parce que ça serait vraiment dommage. Mais est-ce que tu te rends compte il a fait une voiture sans plaque. Donc elle n'était pas homologuée. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de plaque. Non, je sais même pas comment c'est possible. Je te coupe parce que j'ai l'impression que tu me fais un truc bizarre. Alors. De quoi Je te mets pas trop accroupi ah moi comme ça. Excuse-moi, excuse-moi. Je refaisais mes lacets, voilà, Nicotis. Pas devant elle, tu vois. Oui, oui, non, mais là, il y a 20 ans de prison. Hein ouais, merci. J'aime bien faire. Sinon, je pense que c'est malaisant ce type de blague de 20 ans de prison, mais bon, enfin, voilà. Ouais. C'est malaisant, Anna ? Non, mais on est majeur, ouais. hein, je suis majeur. Hein. on est majeur, hein. Ouais, hein. On fait ce qu'on veut. Je m'en fous, moi aussi, j'ai 16 ans. Et donc, ouais. du coup, voilà. Du coup, bah voilà, petite okay. anecdote. Le véhicule n'avait pas de plaque, voilà. Donc, GG Skyrix. Bon. Je crois qu'il fallait taire le nom. Ah merde, fallait pas dire le nom. Ah merde, à chaque fois je me trompe, fais chier. À chaque fois, et c'est de ma à chaque fois je me fais avoir. Enfin bref, voilà, on dit pas le nom du bulldog pour éviter tous les dramas. Alors voilà. Du coup, vous partez, réservez ouais. le circuit, on se capte radio. Contact, j'imagine, yes. T'as pas de moto. On part sur quoi en moto? T'as non. fait un choix ou... Je t'appelle un et tu me dis ce que tu... Le dire. Putain, merde, mais tu... Voilà, tu vois, David, voilà, bah voilà, bah je mets, c'est tout moi, mais écoute, c'est tout moi ça, tu vois, je peux partager, tu vois, je partage déjà voilà, un serveur voilà, gratuitement, je partage maintenant. Des infos, oh, fais chier, j'avoue, oh, non, oh si près du but, putain, merde, c'est de la merde. Non, c'était une blague, on parle d'autre chose en fait. On va faire de la drogue. Voilà. Bon, je t'appelle quand je suis au vendeur de véhicules dont il faut pas dire le nom, ça se termine par tôt, ça termine par mot. Et voilà. Tu me dis ce que je dois prendre, parce que toi tu dis qu'on est un peu en moto, donc je vais dire ce que ouais. j'ai, et tu me dis ce qui te paraît pas mal pour faire ce qu'on veut faire, ok? Ok, bah de toute façon, ouais, je vais voir par rapport au terrain en fait. Et comme ça, je te dirai... Et j'ai jamais essayé le terrain en plus, donc... Mais j'ai ma petite idée de toute façon. Vas-y. Qui est casse-gueule? Bah, t'as essayé? Sur l'autre île. Eh ben c'est pas RP, on veut pas le savoir. Indy, Nico, voilà. on est d'accord, on est des joueurs de bah, RP, ouais, nous. Bah, hein nous, on a notre kit RP, nous. Est-ce que t'as ta feuille... Fais, ton... Fais le bruit de la feuille de papier. Allez, Nico. Fais le bruit de la feuille de papier. Eh ben t'es pas avec nous. Bah t'es pas avec nous. Est-ce que tu l'as? Ouais, je l'ai, ouais. Eh ben... Ouais, ouais. Ouais, eh ben, écoute. Regarde, là, c'est bon, je l'ai, là. Ouais. Ouais. Ah, il y a un DM de maths, demain il va être froissé. Bon, ah, allez. Bon, allez, on se retrouve. Va réserver ce que tu sais pour éviter ce que tu sais. Allez, allez-y. Allez-y, allez-y. En avant. Bon, ça va, Twitch chez nous. Merci à vous, ça fait plaisir. Donc, oui, vous l'avez peut-être compris. On va se faire une petite session motocross. Ça va être assez sympathique. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans cet épisode incroyable. Comme d'habitude, pouce bleu, on s'abonne, on partage, hein, vous connaissez. Donc, mise à jour de février. Là, vous êtes sur la patch 1. Et il y a le patch 2 qui sort à la fin du mois. Au final, j'ai préféré découper la mise à jour. Parce que voilà. Cette mise à jour est déjà ouf. Donc, j'ai préféré couper en deux. Et du coup, on va se faire un petit régal. Donc, on va aller chercher des motos. Ouf. Merci. Vous aussi. Donc, du coup, voilà. Du coup, voilà, petite Ferrari. Parce que, voilà, écoutez, c'est un peu difficile financièrement en ce moment. Donc, je me suis fait, voilà, c'est juste une Ferrari. Voilà, il n'y a pas besoin de crier sur les toits. On va donc aller chercher des motos. Et on va s'organiser notre petit enduro à nous.
ou notre petite course de moto, je connais pas vraiment les différences et les spécificités. Alors oui, vous avez peut-être remarqué, il y a des nouvelles routes, il y a des nouvelles choses, etc. Bref, voilà, vous connaissez. Et donc du coup, il y a déjà pas mal d'ajouts qui sont arrivés. Notamment, enfin, le terrain de cross, ça fait 2 ans que tout le monde l'attend. Oh! Eh ben, il est là, voilà. Puis comme vous pouvez le voir, les gens sont extrêmement pauvres, comme d'habitude. Donc, avec du coup Nico et Anna, on va monter un petit event de moto. Avec une course, contre la montre, c'est ce qu'il y a de plus simple, concrètement. Avec, voilà. On est des joueurs de RP, papier, crayon, avec des dés, tout ça, vous connaissez. Et du coup, on va s'organiser un petit truc comme ça, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend un petit circuit de moto. Donc, comme d'habitude... Okay, j'ai dû appeler la DIR pour le balisage, vous pouvez vous aussi faire ça, mais ce soir, c'est nous. Vas-y, parfait, c'est reçu. À tout hasard, tu peux appeler les concesses pour voir s'ils n'auraient pas un véhicule de transport. Yes, je fais ça, ouais. Merci. Donc, ouais, alors, il y a plein de modifs, et je vous présente pas tout, ça serait beaucoup trop long. Mais en gros, il y a plein de modifications qui ont été faites. Tout est mis sur le forum, comme d'habitude. À une époque, je faisais des vidéos présentation de mise à jour. Bon, j'avoue que là, j'ai la flemme, je veux juste aller jouer. Donc, voilà, vous irez sur le fofo. Ou dans les messages, vous mettrez dans les commentaires les nouvelles mises à jour. Il n'y a pas de concesse pour transporter les motos ou les DP? Faut essayer avec les DP. Ouais, ça je vais voir avec les DP, ouais, du coup, combien de plateaux? On part sur 4 motos? Ouais. Vas-y, bah, au pire, un plateau qui fait 4 allers-retours ou 4 plateaux qui font un aller-retour, Anna, je te laisse choisir. Merci, Nico, ça fait plaisir. Nico, t'es là? Oui, oui, bien sûr. Ok, alors je suis devant le vendeur. Ok, je t'écoute. Je suis avec mon ami au téléphone, on aimerait savoir ce que vous avez en motocross. Oui, bien sûr, je vais vous aider, pas de soucis. Alors, le monsieur me dit qu'il a une Aprilia MXV 450. C'est pas mal ça, ouais. Une ensuite... KTM 450. Tu me régales là. Tu m'as pas vu nu. Une CRF 450. Et... toujours bien, ouais. Et une Kawasaki KX450. Alors, c'est quoi le mieux pour faire de l'enduro sur des bosses? Et un GSXR aussi. Je dis non pour le GSXR. Non, GSXR, non. Après, franchement, moi, je suis un fan KTM. Ok. Donc, ce serait donc, la KTM 450? C'est sûr, quoi. Bah, ouais. Hein. On est sur une valeur sûre, la KTM. Ah ouais? Très bonne marque enduro. Ok, je sais pas du tout. Ok, si tu veux. Par contre, sur cette version, il n'y aura pas différentes couleurs. Ah. Après, c'est pas gênant comme on les fait tourner un par un, non? Non. Ça aurait rajouté un petit truc en plus, quoi. Bah, on peut les avoir pour une prochaine commande, mais là, pour aujourd'hui... Sinon, une idée, on en prend deux différentes. Bah, les Kawa, si... Mais non, on peut pas. KTM, il n'y en a qu'une. Par contre, les Kawa, il y a plein de couleurs. Une KTM et une Kawa. Bah, les Kawa, il y a 6 couleurs différentes dessus. Ouais, non, faudrait prendre la même. Alors, bah, que les Kawa, alors Kawa, c'est bien aussi. Hein. Ok, et du coup, je prends 4 couleurs de KX450. Vas-y. Ok. C'est bon pour nous. Ok, tu m'envoies un plateau? Ouais, vas-y, on voit ça, là. Vas-y, parfait. On est en train de voir ça, on t'envoie ça. Vas-y, je pars là-dessus, à tout de suite. On te tient au jus. Ouais, parfait. Vas-y, ça marche. Tu me dis quoi dès que tu sais? Vas-y, je te dis quand je sais quoi. C'est bien ou pas comme moto? Non? Ah, c'est un super mode, c'est pas bien? Ah merde. Attends, il y a des voix dans ma tête, elles me disent que c'est un super mode. Ah bon? Ah, c'est dommage ça. Ouais. Super mode, non, ça le fait pas. Il nous faudrait plutôt. Ouais. Avec des roues cross quoi. Attends. Ah, sinon, il y a la Aprilia qui est en roue cross. Bah, écoute. Hein. On va faire avec, hein. En gros, on prend Aprilia. Sur tous les super motards qui sont bien, mais bon. Ah. Bah, sinon, il y a toujours ta KTM. Ah. Bah, allez, un coup KTM, hein, on en parle plus. Hein. On va pas chipoter pour une couleur.
Ok, bah du coup, ce sera les mêmes. Bah ouais, hein. Vas-y, Tant pis, bah non? je. Bah de toute façon, j'ai pas signé de bon de commande pour le moment, donc vas-y, on part là-dessus. Je prends que des KTM Ok. 450. Ouais, Comment on fait le vas-y. transport du coup? Bah, elle est en train de Dépanneur voir à là. dispo. Elle est en Dépanneur à train de voir. dispo. Bah, dépanneur à dispo apparemment. Ils sont à dispo combien de temps? Il sait pas. Le mec, il sait pas. Il a l'air un petit peu perdu, j'ai l'impression. Ouais, ça va être marrant, il y aura des explosions, vous allez adorer, mesdames et messieurs. Mais il Pouce m'a dit bleu! qu'il avait pas de plateau disponible. Je lui ai dit combien de temps. Il m'a dit, je sais pas, allez voir Oh avec là la là. princesse. Les galères, bon, on va gérer les galères, à tout de suite. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Regardez, avec une main. Oh. On est là. Bon, alors du coup, on part sur des KTM 450. Merci Crusher, ça fait zizir. On va donc partir là-dessus. Je vais en acheter 3 et vous connaissez la chanson, hein. C'est des bécanes qui serviront du coup sur d'autres events. Parce que ça fait très cher sinon d'acheter juste des motos pour une fois. Donc du coup, potentiellement, il y a moyen Eh, hey, par contre, de... Nico, il a pas le permis moto. Il y a moyen de faire des petits trucs avec sympa. Ah! Bien joué, Nico, celui qui veut faire un event moto. J'ai à y penser là. Bah, va le passer. Bah, au pire, oui, je vais aller. Ouais, vas-y, ouais. De toute façon, j'ai pas de casque, j'ai rien du tout ici, hein. Mais on peut acheter. Voilà, c'est bon, bah, comme ça, je vais retirer en même temps. Bah, bravo. Et je vous l'ai pas dit, je vous le présente pas aujourd'hui. Mais depuis aujourd'hui, on a tous des boîtes mail maintenant. Donc vous pouvez roleplay Juste les pompiers qui et vont nous casser les envoyer des pieds. mails à des gens et ils vous répondent quand ils sont connectés. Parce qu'actuellement, si t'appelles quelqu'un qui n'est pas co, tu peux pas lui parler. Si t'envoies un SMS à un gars qui n'est pas co, tu peux pas lui parler. Et donc c'est un énorme truc qui a été fait exprès pour A4L, ça s'appelle Pouf Mail. Vous avez tous et toutes une adresse mail qui est automatiquement créée, votre prénom, votre nom, un numéro. Alors je sais, on se croirait à l'école en mode David Park, 5e B, arrobase, Louis Perry, .fr, hein, je vois. Mais c'est plus simple de faire comme ça. Donc vous avez tous un mail et vous pouvez envoyer un mail à qui vous voulez. Donc par exemple, à staff@a4l.fr, test. Coucou. Envoyé. Voilà. Vous ouvrez votre boîte mail. Vous allez dans Staff, mes courriers, nouveau message, route système et test. Test de Bonjour. David Park. Bonjour. Et là, vous voyez, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est c'est l'une des nouveautés de cette mise à jour. Il y a eu du taf, mesdames et messieurs. Je viens de recevoir un mail. Nouveau système de messagerie. Voilà, et incroyable. Au moment où je vous en parle, ça marche. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle messagerie Pouf Mail. Profitez de nos services de messagerie complets, que vous soyez présent ou non. En fait, là, tu peux monter un business d'entreprise de recrutement et tu peux envoyer un mail à des mecs, ils te répondent quand ils sont là, et du coup, tu restes en full RP, t'as pas besoin d'aller sur Discord ou autre, des trucs un peu chelous. Tu t'as juste à envoyer un mail. Si tu fais, imaginez, moi j'aime bien faire des sociétés, vous le savez. Souvent, elles durent pas longtemps, vous le savez aussi. Mais c'est pas de ma faute, d'accord? Parce que c'est compliqué de rappeler les gars. Des fois, ils sont pas là, des fois, ils sont là. Tu sais pas s'ils sont co ou autre. Avec le système de mail, je peux dire au gars, écoutez, merci de me rappeler, tout, 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 tatati, tatata. Et quand il se co, il me répond. Quand je me co, je lui réponds. Et on essaye de faire en sorte de se croiser pour monter du business. Voilà. Et donc, c'est la petite nouveauté. Donc là, c'est un message admin pour vous dire que les garages ont été débug et que du coup, tout est bien. Voilà. Donc, gros GG à l'équipe de développement d'Arma for Life, composée de deux personnes. Et ils ont vraiment géré et c'est pas mal. Voilà. Donc, si vous avez des idées, des retours, n'hésitez pas. C'est un système qu'on a développé exprès pour A4L. Et donc, du coup, si vous avez des idées de choses qui peuvent être utiles à ramener au Poufmail, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut envoyer des mails sur Arma for Life. Incroyable, mesdames et messieurs. Je sais. Je sais, je sais. Incroyable. Qui l'eût cru, hein? Rappelez-vous en, je sais pas, en 2015. En 2015. Essayez de vous souvenir. Et regardez maintenant. Et encore, vous savez pas tout. Mais je peux rien vous dire aujourd'hui. Je peux rien vous dire aujourd'hui. Il y a un avocat qui est reconnu par la police
Il est en train de faire un petit RP autour de ça, avec une journée où il ouvre son cabinet, etc. Donc, peut-être qu'on bon, en aura besoin. Si on loupe, on verra. Officiellement, c'est pas un motard et tu pourras lui chercher sa moto. Ouais, et puis Nico, coup, il... Allez, Nico, concentre-toi, passe ton permis, sinon on va jamais y arriver, notre événement, là. Il a déjà raté deux fois son permis. Oui, bah, moto. Je sais, mais tu sais que j'en prends un coup à ma fierté, là. Ah ouais, bah... Écoute, ta fierté en prend un coup, je te parle même pas de ma confiance. Oh. L'émotion est présente, voilà. Bon, et ben, si vous voyez rien d'autre dans cette vidéo, c'est que on n'a pas réussi à avoir un permis moto. Voilà, priez mes amis. Il va faire comme la dernière fois 20 fois. Nico. Oui. En plus d'être nul, t'es pauvre maintenant. Ouais, merci de me le rappeler. De rien. Je suis quelqu'un de gentil, hein. Tu viens d'avoir ton permis ? Oui, oui. Bah maintenant, faut le garder. Venez, je vous attends. GG Nico. 10 sur 10. Ouais, enfin, combien de fois ? 2. Ah, ouais. Mais toujours. Mais ouais, mais si, toujours. Ouais, c'est le rattrapage. Ouais. Allez, venez, je vous attends tout de suite. Tu vois ? Oh là là. J'ai fait préchauffer les motos. Donc, ouais, du coup... C'est bien, hein. Très, très bien. T'as revérifié les graissages tout. Et la pression des pneus, j'ai mis ma bouche dessus. Je vais... C'est une petite ligne Acra ou c'est moi ? Ouais. Ah ouais, je sais pas où elle est. Ouais, si, ouais, c'est une Acra. Ouais, c'est une Acra. Pas mal, hein. Bureau, là. Alors, tu valides ? On est d'accord ? Magnifique. Hein ? La petite plaque, là. Parfait. Bon. Ça régale. La petite plaque, c'est interdit ici, hein, monsieur. Mais bon. Ah, d'accord. Désolé, excusez-moi, monsieur l'agent. J'avais pas vu que vous étiez policier, vous avez pas de permis. D'accord. Je suis pas en service. Ah, d'accord. Ah, bah vous êtes peut-être collègue avec Anna, alors. Conseil d'amis, hein. Quoi ? Je sais pas, c'est un policier en... Je vous dis peut-être que... En fait, on est tous flics, en fait, ici. C'est bien, ça fait plaisir. Vas-y, bon. Alors, du coup... Ouais. Il remet encore plus son couteau. Hein. On va là-bas. Ouais, toi, tu vas là-bas avec les motos. Moi, je vais chercher le véhicule. Quoique le véhicule, sinon, on peut le faire plus tard. On peut dire véhicule surprise. Comme ça, on peut rapidement commencer à débuter l'event. Comme ça... Au pire, ouais. Limite, toi, tu fais un temps. Moi, je fais un temps. Anna fait un temps. Et après, on peut laisser les autres participer. Et en attendant... Eh ben, tu géreras la cantine, c'est pas grave. Tu feras la boutique. Ouais. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut du coup ? On va s'organiser aussi au niveau du terrain, tu sais, de surveiller qu'il n'y en ait pas qui sortent, machin. Bah, je peux appeler la sécu si c'est que ça. Au pire, on on verra. Vas-y. Bon, ouais, on dépose les vroom vroom là-bas. Ouais. Moi, je bouge ma féfé, je la laisse pas là, évidemment. Je la ramène sur l'event et de là-bas... On voit un petit peu ce que ça donne. On voit pour faire un listing, etc. Pourquoi pas s'assurer qu'il n'y ait pas un arbre. Faire un tour de... Vite, tu sais, voir, histoire de... Qu'il n'y ait pas un caillou qui était mappé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Hein ? Parce que j'ai pas essayé. Ouais, hein. Caillou. Ouais, donc, ouais, vaut mieux. Avant de... Au cas où qu'il y a un bug, tu sais, qu'il y a... Ouais, ça sera un peu... Au cas où qu'il y a un château, par exemple, tu vois ce que je veux dire ? Qui était mappé à l'intérieur et qu'on ne sait pas quand. Elle est magnifique avec sa ligne. Mais ouais, mais c'est une super motte. Ouais. Enfin, un super... Ouais, si, c'est ça, super motard. Vas-y. Bon, on se retrouve au circuit avec les motos. Ok. Parfait. Ça part sur du CRS... du CRS patrouille de nuit. Parfait, merci. Je vous laisse réparer le mur et vous laisser la barrière là. Merci à vous. Ouais. Allez, hop, on met ça. Alors... Hop, alors, on est bon. Alors du coup, où on en est ? Les motos sont mises en sécurité, la troisième arrive, on attend le jour et on commence quand il fait jour. C'est ce que je veux dire. Ouais, vas-y, pas de soucis, moi j'ai géré ici, je fais ouvrir les axes et je fais tomber les barrières stop pour éviter que le vent la fasse tomber sur un véhicule en dessous par exemple. Vas-y. Au hasard. Et merci Nico pour le soutien, ça régale. Bref, on attend le jour et puis là ça va être intéressant, mais pour le moment... Faut attendre parce que le souci, on s'est fait arrêter par la police. Et comme les super, enfin comme les motocross ont pas de feu, on n'a pas le droit de circuler avec la nuit, sauf escorte. Du coup, on attend. Voilà, on attend. On attend le pouce bleu. Profitez-en. C'est l'instant pouce bleu et abonnement. Allez-y.
Ça me fait toujours rire quand les youtubeurs ils font ça. Allez-y, abonnez-vous, bon, je vous regarde. Allez-y, je vous attends, je vous regarde. Mettez un pouce bleu. Ah ouais. Tu vois le petit de Perrier que le Perrier le. Oh, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Admettons, tu prends ces rochers derrière là, et tu sais, tu les rentres un peu dans le sol. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le bout dépassé. Ouais, ouais. Ça le ferait, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, donc là, parking visiteur ici. Ok, ouais. Visiteur ou participant? Ouais, participant, ouais, c'est pas gênant. De toute façon, on fait payer à l'entrée, donc tout le monde paye pour rentrer, de toute façon. Comme ça, on s'emmerde pas trop avec tout le monde. Ouais, bah de toute façon, il y en a un de nous qui a... Les gens, ils rentrent là-bas. Non, ils passent ici. Non, c'est la sécu à l'entrée. Ah ouais. Non, ok, d'accord. Non, la sécu, j'en ai payé une de sécu. Donc du coup, ils rentrent là, ils passent ici, ils vont là, ils se garent. Ouais. Après, ils reviennent jusque là-bas. Quana. Et du coup, il reste ici. Là, sa piste. Ligne d'arrivée, ligne de départ. Ils font le tour. Ils déposent la moto. Et ils ressortent par ici. Et puis, on prend les noms, prénoms avant qu'ils montent. Ça te paraît bon ? Bah vas-y, commence. Un des deux, comme vous voulez. Je commence. Vas-y, ouais, tu fais un premier tour. Non, tu fais un tour découverte, un tour chrono. Ok. Vas-y. Parti. Mets ton casque, hein, on est plus après. Ouais, t'inquiète. Vas-y, on est bien. Je vais me mettre là pour prendre le... quand tu reviens du tour découverte, tu t'arrêtes, hein. Tu sais, on fait départ zéro. Oui. Vas-y. En avant. Bon. Plus puissante. Bah, on va peut-être enfin y arriver, mesdames et messieurs. Après 200 ans avoir géré les métiers, nous allons peut-être... Oh, on n'a pas de repair kit. On ira en acheter un après, rassurez-vous. Ouais, Anna, faudrait que tu gères les repair kits que tu vois pour aller en acheter. Des repair kits, ouais. Oui, des repair kits. Va avec la CQ, là, dire... Attends, je vais te prendre en photo. Avance-toi près du tas, mets-toi un peu de travers, je vais te prendre en photo. Vas-y, parfait. T'en veux combien des repair kits? Je sais pas, à ton avis, Yana. Une dizaine, 3, 4. Non, mais une dizaine. Le nombre de motos, ok, une dizaine. Oh là là, qu'il est beau. Eh, quelle beauté. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, vous avez vu. Vas-y, on est prêt, on est chaud. On est là. Vas-y, merci, va faire ton tour de découverte. Okay. Vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît. Merci. Ah, ok. Ouais, surtout, je veux pas vous gérer, hein, donc gérez-vous vous-même, restez pas sur la piste. Du coup, y a la sécu qui m'amène... Vas-y. En même temps, mets un message BFM, s'il te plaît. Tu veux que je mette quoi? Exactement, précisément. À ton avis, Anna, j'ai vraiment besoin de toi en orgas. Non mais déjà, j'ai les ambulanciers, les pompiers, et puis j'ai rien, la police non plus. Anna! Oui. Tu te débrouilles. Ok, d'accord, je me débrouille. J'en peux plus de gérer tout le monde. Tu vas pas comprendre, tu vas me gueuler, tu vois, c'est pas de ma faute. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Alors Nico, comment ça se passe? C'est incroyable. C'est vrai? Ah ouais. Parce que... je pensais que vite ça passerait, mais non. Quand je t'ai vu partir, je me suis dit, est-ce que vraiment c'était une bonne idée? Bah écoute, vas-y, si c'est incroyable, ça me fait plaisir. Vas-y. Fais ton tour tranquillou et le... Moi, fan de moto, franchement, c'est le kiff. Ah ouais? Bah écoute, tant mieux, ça fait plaisir. Bah écoute, fais ton tour tranquillou, je t'attends, j'ai le chrono. Et je te ferai le 3, 2, 1, et après tu pars, ce sera ton temps officiel, d'accord? Ok, là j'arrive. Là. Vas-y, je sors ma feuille de papier, on est bon. Oui? Que se passe-t-il encore? Non, rien, ça va. Je me demandais si les motos, ils vont trouver, ils vont passer par-dessus les... Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à cette question? Non, ça va. Bah, j'en sais rien, moi, s'ils vont trop vite. Bah, ils ratent la course, tant pis pour eux. Ok, pas de soucis. Alors, du coup, Nico, t'es le numéro 1. Ok. Alors, je m'avance comment, là? On est bien? Ouais, moi, j'aurais dit, on part sur la roue. La roue au... Ouais, après, honnêtement, je pense qu'on n'est pas non plus... On n'a pas besoin d'être d'une précision folle. Ouais, non. C'est bon, là. Après, alors, je voudrais pas qu'on dise que. Il y a des virages qui sont compliqués, hein. Y a de la triche, mais je pense qu'on est bon. Bon, t'es prêt? Ah, tu peux t'avancer un chouïa peut-être. Avance-toi un chouïa.
C'est toi. Ouais, parfait, 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 c'est bon. Ok, okay. Donc je te... Ouais, attends, tu m'entends là quand je parle? Nico, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui. Hein, tu m'entends? Parle pas à la radio, je te parle avec la bouche, là. Très bien. Oui, je t'entends. Eh ben, dis-moi que tu m'entends. Oui, je t'entends, pardon. Alors, je dis 3, 2, 1, go, et au go... Ah, non, mais... Ah, oui, je crois que c'était là. J'en peux plus, je me casse, hein. Je me barre. Je retourne sur Minecraft, hein. Bah ouais, ok, à gauche, pas. Il y en a aucun de vous qui était à l'école, hein. C'est ça, à en fait. C'est un test, hein. C'est filmé, c'est pas possible. Putain, ah, mais investissez-vous dans votre roleplay. Donc à go tu pars évidemment. C'est pour ça que je te dis 3, 2, 1, go, d'accord? Ok. T'es sûr que t'as compris, hein? Allez, vas-y. 3, 2, 1, go. Et bonne chance. Merci. Bon, il est parti, on va aller voir de l'autre côté. On va aller voir, on va aller voir. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est pas que je suis tendu, hein. C'est que j'ai l'impression qu'on perd notre temps à gérer des trucs insignifiants. On a dû gérer la police, les pompiers, la sécurité, la DIR, etc., etc., etc. Alors que de base, on est juste censé gérer les participants, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, j'essaye de faire en sorte que ça ouate un peu, parce que sinon... les participants, on les fera jamais arriver, parce que honnêtement, là, je passe ma vie à juste gérer les métiers. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là. Allez, en avant. Une 20. Une 20. Alors? Une 20, je sais pas si c'est bien ou pas. Une 20 t'as fait. Une 20? Ouais, okay. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je prends pas les millisecondes, hein, tu vois. Franchement, je pense que je me suis pas mal démerdé en vrai. Une minute. Parce que tu peux vite perdre 20. Le contrôle en fait. Hein, on prend pas les millisecondes, hein. On reste en seconde. Ouais, ouais. Parce que millisecondes, vous voyez ce que je veux dire? Déjà au niveau du chrono, je suis pas sûr qu'il soit homologué par la Fédération Française de Motocross. Ouais, je pense pas. Mais bon. Je suis pas certain de la fiabilité de ce produit électronique. Donc, on reste. Mais non, franchement, je pense que je suis bien. Vas-y, bien joué. T'es prêt pour moi? Bah, vas-y, tu recules, je te dis. Vas-y. 3, 2, 1. Attends, non, non, moi je fais ma découverte aussi. Ah, bah oui, oui, pardon, oui. Je... Attends. Ouais, non mais... Hein? Attention, virage 3. Ok. Ah, allez, en avant. Bon bah, c'est l'instant, tout ça pour ça. Est-ce que c'est stylé? Ouais, je... Je mets une heure précise, mais il peut venir dès maintenant. C'est moi, t'as failli tomber. Je pense que ça rend bien, non? Venir dès maintenant. Attends, c'est quelle heure, là? À 10h, on a dit, 10h. Ouais, 10h, 10h, on passe ton tour aussi, quoi. Ça rend pas mal, hein? Vous trouvez pas que 10h, ça fait longtemps, les gars, parce que... Ça fait 50 minutes, à peu près, hors continental, hein. Ouais, ou un peu moins comme vous voulez, ouais, mais histoire qu'on moins, est... Alors. Il est quelle heure? Non mais, attends, je fais mon tour de découverte, respectez-moi, je coupe la radio. Oh là là. Mais vous avez vu, tour de découverte? Je dois tout gérer, insupportable. Oh, vous avez vu, j'ai fait un petit saut là. J'ai fait un de ces sauts. Mais t'es dans les feux, hein. T'as vu le saut que j'ai fait, mec, c'est à la incroyable. Fin. Ah, pareil. Mec, j'ai fait un de ces sauts. Je suis ouais, deg ouais. De pas l'avoir. J'avais peur de le faire. Ah, quel régal.
Par contre, t'es en vue première personne ou pas? Ouais. Ah, t'as tout fait en... Ah bah ouais, c'est largement mieux, je trouve. Non, non, mais moi aussi, j'étais dedans. Ouais, vas-y, ça me plaît bien. Mais je pense que j'ai pris un truc dangereux, hein. Non? Ouais. Possible. Possible. Ok, moi, ouais. Je me recule. T'es prêt? Ouais, tu t'alignes, tu sais, tu te mets... Tu te mets sur un plot et t'essayes de voir les deux, tu vois ce que je veux dire, à peu près. Après, on n'est pas non plus... Ouais. On n'est pas une fédération officielle, tu vois. C'est bon ? Ouais, je t'entends. Bah écoute, là, t'es pile poil sur le milieu, okay. Donc, écoute... C'est maintenant que ça passe. On va chipoter à quelques minutes. Bon. T'es prêt, hein ? Ouais, eh, tu fais comme moi, 3, 2, 1, go, on est d'accord, hein ? Hein ? Attends ! Ah merde, attends, tu m'entendais pas ? Non. Tu m'entends ? David ? Mais ouais, mais putain, je te parle en... Ouais, je dois mettre en fort pour que tu m'entendes. Non, moyen, non ? Bah rapproche-toi de moi, je te parle, tu m'entends pas. Ah ouais, d'accord. Ah, ok, tu m'entends hein. Ok. Ah oui. Bah ouais, mais... Excusez-moi d'être sur la moto, monsieur, hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Alors, dans Fast and Furious, la meuf, elle est juste à côté quand elle lâche son soutif. Hein. Là, t'es tellement loin que... Même le Covid, t'es pas prêt de l'attraper. Non, mais te mets pas devant. Ah ouais. C'est parti. Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1, go. Bonne chance. Ah merde, ça va? Un peu raté le dernier virage. Okay. J'avais combien là? Ah bah là, t'es à 1.23 là. Hein putain, je t'aurais battu. T'es même pas arrivé encore. Mais non, mais j'ai raté la dernière bosse. Bah ouais, tu vas trop vite. Moi j'ai été tout doucement. Ouais, j'avoue. Bien joué. Bien joué. Ouais, mais tu sais, c'était tellement tentant de prendre les bosses à fond. Ouais. Et tu sais, tu t'envoles. Et pour le coup, c'est pas trop dégueulasse, tu vois. Ouais, je sais. Ouais. Il y en a qui vont l'oser, je pense. Ça passe, par contre, tu gagnes du temps. Ouais, bon, du coup, on dit non. Bah. Non, bon, on dit non, faut être honnête. On dit non, ça marche. On va les enduristes. Ok. Non, mais tu sais quoi, ça me fait plaisir. T'as peut-être une chance de gagner, du coup. Ouais, franchement, je suis à combien déjà? 1.11. T'es à 1.20. Non, 1.11. Putain, le mec, t'es à 1.20. 1.20. Ah, 1.20. Ouais, okay. Ouais, j'ai noté sur ma feuille de papier parce que toi, t'as un gros voleur. Quand j'ai entendu le monsieur à côté, il a fait oh. Quand il est arrivé quelque chose, t'étais à 1.12. Ouais, mais je te battais 100%. Ouais, mais tu vois, pourtant, j'ai pris des risques un peu plus. Ouais, justement. Un peu plus fou et au final, il n'y a pas tant de différence que ça. Et là-bas? Au démarrage là-bas, ouais. C'est un truc bizarre aussi, non? Et j'étais à fond de balle. T'es parti un peu sur le côté en J'ai tout tenté. Bon, on lève la moto, tu m'aides? Ouais, vas-y. Attends, sans savoir, on va déplacer les autres. Ouais, j'en ai un peu. Celle-là aussi? Ouais, vas-y. Un peu froid, c'est la bécane, quoi. Je suis un peu tombé, si vous voyez ce que je veux dire. Après, ça... Attends, peut-être que je peux... Je sais pas si je peux la relever seule. Ah, si, ouais, c'est bon. Eh, c'est bon, c'est solide de ouf, en plus, elle est même pas abîmée. C'est bon. Ouais, c'est bon, ça marche bien. Pour ton petit gabarit. Ah, merde.
Non, non, c'est bon, c'est parfait, elle est même pas abîmée en plus. Anna, toi, t'essayes pas, on a dit. Enfin, c'est toi qui a dit. Non. Ok, t'as pris combien de repair kit? 10. Tu sais que j'étais tellement concentré, j'ai même pas vu le message que t'as mis dans BFM. Et ben voilà. Maintenant, on a pris des repair kits. T'en as mis un au moins de message? Ouais, j'ai marqué Event Enduro Super Etonia, Event Moto, un véhicule mystère à gagner, rendez-vous 8h38. Ça marche, okay, bah c'est cul, on peut ouvrir le véhicule mystère, j'irai aller chercher plus tard, on va commencer à faire passer premier. Nico, c'est bon pour toi, t'as tout compris? Un tour découverte, ouais, un tour chrono. Yes. T'as une feuille, tu notes tout bien, minute, seconde. Ok, et on part du principe, moto ici avec pilote. Donc oui. Sinon c'est... Ouais mais histoire de qu'on soit bien d'accord, il y a pas de... Tant qu'il a pas passé la ligne, les deux n'ont pas passé la ligne, on stoppe pas le temps. Exactement, c'est ça. Parfait, on ouvre en sécu et on va les faire garer sur le fond, d'accord? Ok. Les casques, faut qu'on prête nos Anna, casques. Anna, tu les encaisses? Bah le casque dans la moto, le gars met le casque dans la moto à chaque fois. Ah oui, 130k l'entrée. 130k. Tu l'as mis dans le message au moins? Mais sur le GPS. Pardon? On regarde sécu. Ouais. 455. Le monsieur demande s'il peut venir juste regarder ou il est obligé de participer. Non, tout le monde paye. Mais il peut regarder, mais il paye. Ouais. Il paye, mais il peut regarder. Exactement, mais tout le monde paye. On a loué le circuit, faut rentabiliser, c'est pas intéressant s'il y a que des visiteurs. Et je l'ai payé à l'entrée, là. Je l'ai récupéré à l'entrée, là. Et ouais, Anna, tu t'encaisses les gens, tu prends nom, prénom, t'as ta feuille de RP, là? Hein, tu l'as, ta feuille RP? Ouais, mais... Et ben dessus, là. Avec tes petites mains, t'écris nom, prénom, et comme quoi il a bien payé. Ouais, mais je l'ai fait payer ici à l'entrée où je suis. Non, 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 on les fera payer à Union demain matin, Yana. David, un petit truc, est-ce qu'on fait payer ceux qui cassent? Mais bien sûr. Non, il paye qu'une fois, c'est tout. Ouais, mais je veux dire, le mec qui prend la moto, il la casse. Non, ça fait partie de l'entrée. Bah, on lui dit, c'est pas grave, mais par contre, il n'y a pas de deuxième tour, c'est en one shot. Un tour découverte, un tour chrono. Vous allez y arriver? Ouais, d'accord. Non, c'est j'avais fait une case moto. J'avais fait une case moto dans mon truc. Non, 130 000 déjà, c'est bien. Parfait, c'est bon pour tout le monde? Ok, on est bon. Ok, parfait, j'arrive. Bon, souhaitez-nous bonne chance. S'il y a des questions, fallait écouter. Je réponds plus. Bon, on a enfin réussi. Vous êtes devant vous. Le premier participant, là, c'est le tour de chauffe. Wow, et ça bump bien, hein. Watch out! Et préviens-les qu'ils allent doucement et tire sur les pompiers, là. Hein, préviens-les d'aller doucement. Il y a été à fond, il s'est déjà raté dans le virage, là. Ah ouais, heureusement qu'il y a un tour de découverte parce qu'ici il a déjà tout pété limite. T'as pas un gars de la DIR à appeler là? Pour? Ah bah pour réparer un peu le circuit. Ah bah je sais pas. Vas-y, je vais checker, je vais checker. Je vais appeler la DIR, je vais voir s'il y a pas un gars de la DIR qui est dispo. Continuez ce que vous faites, entrée, numéro et tout ça, je gère la DIR. On va voir s'il y a la DIR. Il y a la DIR qui est là. Ouais, il y a la DIR 118. Ça en vient, vous avez vu le bumpage qu'il a fait? Alors pour vous, YouTube, la vidéo, elle dure 40 minutes. Hein. Mais nous, ça fait 2h30 qu'on est là. D'accord, mesdames? Écoutez-moi bien, 2h30 qu'on est là. Ok, monsieur? Oui, monsieur. Go pouce bleu. Hein, 2h30 qu'on est là. Vous vous rendez compte? Sur YouTube, il y aura le petit bonus, 40 minutes, on est là. Nous, Twitch, ça fait 2h30 qu'on galère dans la boue. 2h30. Quel plaisir. 2h30 et en plus, j'ai raté mon chrono. Je suis dégoûté, je me casse. Dire pour civil. À l'écoute. Ouais, est-ce qu'à tout hasard, vous avez une unité disponible pour venir au circuit de motocross, s'il vous plaît? Ah, tout à fait. Parfait, bah à tout de suite, merci à vous. À tout de suite. C'est pour de la réparation, hein. Oui, y a pas de souci. Merci, à tout de suite. Ok, j'ai appelé la DIR, ça arrive. J'ai les pompiers qui sont là. Bah alors du coup, le principe, vous connaissez. Un tour découverte, un tour chrono. Voilà, c'est tout. On va tous les faire tourner, on fait le bilan après. Venez sur Twitch pour tout voir. Venez voir. Il reste
Bon, l'event suit son cours, c'est la mise à jour de Monsieur Rasuper. On va avoir au final 20 participants, donc on rentre dans les cahiers des charges. 20 personnes payent 130 000, ça rembourse les métiers, l'investissement. Ça remboursera pas évidemment la voiture qui est mise en jeu dans cet événement. Twitch a voté. Ils avaient le choix entre un Suburban ou une Mustang, ils ont choisi la Mustang, et ils ont eu le choix entre une version allemande ou une version américaine, et ils ont choisi la version allemande. Donc voilà un petit peu pour les sondages. Donc du coup, on part sur une version allemande d'une Ford Mustang, DLC Police, évidemment, on régale. Et du coup, certains se disent « Oh non, c'est nul, non, 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 non. » Nanani nanana, dames et messieurs, est-ce que ça, ça a l'air nul? Vous la voulez pas? Vous la voulez pas? Ah bon? Intéressant. Sur le circuit d'explosion, les gars. Non, c'est pas intéressant. C'est dommage, je voulais vous l'offrir, les gars. Je voulais l'offrir à ceux qui likaient cette vidéo et qui s'abonnent. Tout va bien, ok. Bah c'est dommage si vous aimez pas. Hein. C'est dommage, hein. Tant pis, je la garde. Écoutez, moi, je vais pas vous forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous forcer. Donc, je vous l'offre pas, les gars. Je m'étais dit, vas-y, on va l'offrir aux abonnés. Ça peut faire un contenu sympa, voilà. Bon, j'offre pas, du coup, parce que je veux pas vous forcer. Voilà, vous la trouvez moche, vous aimez pas. Bon, écoutez, désolé de vouloir vous faire plaisir. Excusez-moi de vouloir vous faire plaisir. Voilà, je respecte votre choix. Vous la trouvez pas jolie, vous aimez pas. Bah écoutez, d'accord, bah excusez-moi, voilà, désolé. Je m'excuse, hein, vraiment, je m'excuse. Regardez-moi, c'est clignotant, non mais, juste, bon, vous aimez pas, regardez. Mais bon, vous aimez pas, je peux pas, je vais pas vous forcer. D'accord, bon bah du coup, je l'offre, je ne vous embêterai pas avec cette voiture, je suis désolé, voilà. On la gardera que pour le gagnant de l'event, et puis on en restera là. Voilà, excusez-moi de vouloir vous faire plaisir, désolé, hein. Excusez-moi. Regardez-moi comme c'est beau! Oh, c'est trop beau! Putain, 250 km/h! Les nouveaux ponts, 2-2. Match de février. J'avais dit que la match de février, elle serait bien. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Est-ce que je l'ai pas teasé, ça? Je l'ai dit. J'ai dit, en février, vous allez voir, on a très 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 bien taffé. Voilà! Voilà, est-ce que j'ai encore besoin de montrer quelque chose depuis 5 ans? Je pense qu'on a rarement déçu, mesdames et messieurs. Ah non, j'ai une Mustang. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est moi, l'organisateur. Oh, le con. Non, mais c'est bon, en fait, c'est... Merci. Oh non, c'est honteux, David. Mais courez pas vers les voitures! Taiko, le mec... Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Il est passé une fois. Voilà. Si, regarderait de la toupie fixée, viens voir, viens voir. Voilà. Et les gars, ils ont pas de cerveau, hein. Et là, c'est comme ça, ils sont fous. Deux fois deux, il y a une voiture, ils courent dessus. J'en peux plus. Ça va, Jean. Ouais, les ponts 2-2, ça régale. Ah, hein. Oh, ça régale. Vlog. Alors, il y a des gars qui ont volé des bagnoles dans le parking. Vous avez du coup, la police est arrivée. Et en même temps, il y a un gars qui vient de mourir sur un salto. Ça, et du coup, l'ambulancier est en panique. Voilà, voilà à peu près où on en est actuellement. Et sinon, actuellement, il est 18h. Et je crois qu'il reste 6 personnes à passer dans la liste des participants. Et les gars qui ont été volés les bagnoles, c'est des participants. Voilà. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, ça régale de passer 4 heures de sa journée pour rien. C'est un régal, mesdames et messieurs. Donc bon, moi, ça fait des actions pour la police parce qu'il s'ennuie un petit peu, j'imagine. Vous notez la petite Tesla en police quand même? Tesla. Police Arma for Life, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose d'assez indécent? Personnellement, je trouve que elle est très jolie. Droite, regardez comme les balles. Tu les as entendus? Je pense qu'on est les seuls à avoir une Tesla en police en plus. Justement, je suis en train de regarder où est-ce qu'ils peuvent être, mais ils sont. C'est beau, hein? Ils sont cachés juste derrière au niveau des maisons. Regardez. Okay, Tesla, police nationale. Le jour où on a ça en France, parce que nous on est en Zoé actuellement. Mais voilà.
Et là, on est à peu près à 4 heures d'event. On est toujours présent et à toujours autant de trucs à gérer. Allez, on y retourne. On y retourne. Mais cela dit, je trouve le circuit vraiment stylé. Le circuit est vraiment lourd. Et par rapport à ce qu'il y avait avant... En fait, avant, ici, c'était une usine qui servait à rien. Et du coup, on a tout rasé et on a posé un circuit de cross. Je pense qu'il aura une V2. Mais en fait, le fait d'utiliser, ça permet de voir des petites choses qu'on pourrait peaufiner. Mais au moins, ça permet de faire un endroit un peu plus sympa à utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus sympa à utiliser que une usine, quoi. Bon, allez, j'y retourne. À tout de suite. Bon, allez, petit régal. Je vous montre quelques mecs en train de pister. Alors, la nuit est en train de tomber, là. On va essayer de les faire passer tous deux jours, sinon bah tant pis. Puis comme on a perdu du temps avec avec les voleurs et tout ça, du coup... En tête de la 3, John Martus. Donc là, c'est son vrai temps, là. On voit qu'Arma 3, c'est pas fait du tout. Merde. On voit qu'on est sur Arma 3, non mais je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ont la critique facile. Hein. Je pense que la deuxième on est sur Arma 3. Arma 3. Monsieur. C'est un jeu avec des tanks, d'accord toi, là, il est retombé, non on est... Ouais, c'est incroyable ce qu'on fait ici. De base, on est sur Arma, c'est des tanks. La moto, c'est un jeu où il n'y a pas de moto, c'est un jeu où il n'y a pas de filles, c'est un jeu où il n'y a pas de voiture de sport. Voilà. Est-ce que je veux dire tu vais, donc c'est fou. C'est fou, c'est tellement stylé. C'est bon. On va avoir, on va ramener la moto. Bon, le gars il revient avec la moto. Ouais, allez-y, ouais ouais, revenez hein. Coupé par là. Ouais, si c'était son vrai tour, ouais, disqualifié. Ah merde. Ouais, c'était son vrai tour. Allez-y, bah revenez par l'autre côté, monsieur. D'accord. Merci. C'est bon, il revient, tu peux préparer le deuxième. Ok, merci. Vas-y, tu peux envoyer, il revient par le chemin de sortie. Arma 3, mesdames et messieurs. Arma 3. Quel régal. Quel régal, quel régal, quel régal. Et là, tout ce que vous voyez, c'est tout fait main, en fait. C'est un gars qui a mappé le circuit de A à Z. C'est un autre gars qui a créé une moto. Un gars qui a créé un casque. Un gars qui a créé un serveur. Je mélange. Magie, c'est Arma for Life. Voilà. Mais c'est quand même très marrant de voir les gens exploser, je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas moi qui ai fait le circuit de cross. J'ai arrêté de mapper, comme il y a des gars, ils mappent mieux que moi. Je me suis dit, ça sert à rien que je fasse un... que je mappe un truc moyen, sachant que des gars arrivent à map des trucs assez insane. Et comme ça, ça me dégage du temps pour gérer autre chose. Accessoirement, les joueurs, les idées, le futur, les mises à jour, le staff, etc., 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 enfin bref. Les journées sont longues. Allez, poteau, fais-nous rêver! C'est un champ de mine, hein. Mais moi, je le trouve bien, hein. Moi j'aime bien ce qui a été mappé, j'aime bien comment c'est fait. Et en plus ça redonne de la vie ici où il se passait rien avant. Parce qu'avant ici il y avait vraiment rien, il y avait zéro RP et on a créé du RP où il n'y en avait pas, donc c'est ça qui est trop bien quoi. Alors c'est vrai que là c'est un peu galère là. Bon, on se retrouve quand le dernier passe pour faire le bilan et les temps, parce que il y a encore un petit peu de mecs à passer, mais la luminosité reste encore bien, mais faut pas que ça se dégénère comme ça. On y croit. On y croit, mesdames et messieurs. Il faut y croiver. Regardez, boum, il a réussi. On va écouter. Ah, c'était son tour de découverte. Un petit peu, si vous voulez. Allez, je vous fais écouter un petit peu. Juste au niveau des plots, impeccable. Donc... Gros RP comme ça fait plaisir, il se débrouille bien en plus. Hein.
en organisateur, c'est cool. Go. Ça fait plaisir, hein. La première, c'est en bas, monsieur. Voilà, petit... je l'ai embarqué avec moi et Anna aussi dans ce petit RP. Là, on est sur autre chose que braquer des magasins ou farmer de la cocaïne, hein. On est sur un niveau un peu différent. Ils aiment bien. C'est bien, tu te débrouilles bien, Nico. Non, si, c'est vrai. Pour quelqu'un qui a... Ouais, mais en fait, il y a rien... Non, mais il y a rien de compliqué. Mais il y en a peu qui le font. Ouais, bah ouais. Donc, bien joué, bien joué. On est à quel numéro, là? Là, du coup, c'est le 16 qui passe. Oh, un régal, il en reste plus qu'un et on a fini. Ouais. Parfait. Parfait, 19h36, ça va passer. Allez, maintiens-toi encore un petit peu de jour et on est bon. Allez, bon courage. Vas-y, je te laisse gérer. Je te laisse gérer. T'es 18? Je sais pas, je te laisse. Je te laisse. Ouais. Bon, on va le laisser se concentrer. L'heure de vérité. Je vais mettre ça à radio. Oh, c'est le dernier. Bon, alors, du coup, c'est le dernier. C'était un peu galère pour. C'était un peu galère pour les derniers parce qu'il faisait nuit, malheureusement. Pour le dernier. Ah, il est... ah, il est tombé comme moi! Exactement comme moi, il est tombé. Bah, c'est le dernier. C'est officiel, mesdames et messieurs. On a réussi à faire passer tous les participants. Encore tombé. Et fini. J'annonce que le dernier est disqualifié. Et on a toujours nos trois motos. Donc il y en a une qui est là, une qui est là et une qui est là. Et on a failli disqualifier les deux derniers à cause de la météo, mais au final, c'est soit on les remboursait, soit ils participaient. Et ils ont voulu réessayer, donc du coup c'est top. Voilà, du coup on va pouvoir passer à la suite des opérations. Donc ça va être cool. Bon, il y en a, ils sont toujours aussi intelligents, mais sinon on y arrive. Hein. Ouais, pas d'explosion, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Bon, du coup, la suite, c'est quoi? C'est annoncer qui est le gagnant. Et voiture à gagner. Et puis on est bon. Ouais, on va passer là-dessus. Je sais pas, parce qu'il est bête. Vas-y, on passe à la suite, Nico. Nous, on continue. On n'a pas le temps. Non, mais ouais. Vas-y, mais on attends, je savais pas que ça faisait ça, moi. Si, tu peux klaxonner. Vas-y, donne-moi. Mais non. Meilleur temps, c'est qui? Ouais. Santiago à 1 minute 00 37. Putain, il aurait pu gagner. Le deuxième, il a fait quoi? Alors, laisse-moi regarder. Le deuxième, il fait 1-09-20. C'est le numéro 7. Numéro 7. Non, pardon. Non, c'est le numéro 16. 1-04-99. Oh, attends. 1 minute 04-99. Ouais, okay. 99. Et le dernier temps? Et le dernier, c'est le 7. Ouais. 1-09-20. 09. Donc ça fait Santiago Obnova, Sofiane, Berlier et ouais. Ouais. C'est ça. Et nous, au niveau du temps qu'on avait fait initialement, c'était 1 minute 20. Voilà. Donc au final. De toute façon, que j'ai été tranquille. Attends, viens. Ouais, insupportable. Eh, ça me fout tellement quand tout le monde vient se frotter. C'est tête, horrible. Hein. Vas-y, ouais, alors du coup, on va discuter entre nous. Donc du coup, le premier, il a fait. 1-0-137, enfin 1-0-37. Oui. C'est ça. Après, c'est Sofiane, 1-04-99 et Tom Flamme, ouais. 1-0-9. Nous, on avait fait ouais, à peu près 1-20. Moi, j'avais fait une 19 dégueulasse, mais pas compté, je suis quoi d'accord. Mais tu dans... rigoles ? Attends. Une mais... 19 dégueulasse ? Non, t'as fait 1-59 dégueulasse. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même moyen, il y a 20 secondes de gagner entre toi, ton temps, fini. Ouais. Et donc, il y a moyen de pimper des trucs et du coup, potentiellement, de peut-être le réduire en dessous de la minute. Oui. Après, je pense que oui. Défi. Le défi déjà, est lancé. Santiago, je pense, en fait, au niveau des arbres, il est passé tout droit. Je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à gratter 10 secondes comme ça. Ah bah après... Tous les temps sont à peu près pareils. Hein. Ah ouais, après, ouais, on n'a pas... C'était à tester, parce que s'il bloquait le guidon, il reperdait toutes les secondes. GG à lui, hein. Mais j'irai essayer. Mais à tester en moins d'une minute, définancer. C'est là qu'il a dû gagner du temps. Tenter.
Essayez de réduire en moins d'une 0,4, mesdames et messieurs, pour ceux qui... Enfin, en moins d'une minute, pour ceux qui veulent essayer. Vous testerez, le défi est lancé. Filmez-vous, mettez ça sur YouTube. Moins d'une minute. J'essaierai, évidemment, et je vous dirai ce que ça donne. On verra. Ouais, directement. Ouais, comme ça, on va faire durer un petit peu... 4 heures le suspense, vous voyez. Quasiment 4 heures et demie. On a fini. Donc, le 7ème... Enfin, le 3ème, pardon. Quelle horreur. 4 heures 0920, c'est monsieur Tom Flamme. Oh, voilà. Bravo. Donc, bravo pour avoir fini le 3ème. Bravo, bien joué. Ensuite, le 2ème. Il est même pas là. D'accord. Ouais, non, Tom Flamme, il est pas là. Tant pis pour lui. Le 2ème, avec un temps de 1.04.99, c'est monsieur Sofian, et j'ai plus le nom. GG. J'ai pas noté, voilà. Donc, il est là ou non, il est pas là non plus. Non, c'est pas moi. Pas Chanel. Oh, est-ce que ça a duré longtemps? Du coup, il y en a qui sont barrés. Et le grand gagnant. Donc, j'ai envie de dire le monstrueux gagnant, même si je puis dire. Monsieur Santiago Omnova. On a fini. Bisous, GG à tous. On va faire les papiers pour la voiture et on se retrouvera demain. Bisous YouTube. À demain. Pouce bleu, abonnance. Chou. Bisous à vous YouTube. Cœur cœur et GG à Anna et à Nico, ils ont géré. Bisous. Salut.